こもかしこも AR か。本当はキリト君も一緒にやりたかったんじゃないの？確かに面白そうなガジェットではあると思うよ、こいつは。でも俺はフルダイブの方がいいかな。やっぱ体が重いな。ただの運動不足でしょ。これからだよ。違いない、あれはアインクラッド第10層ボスモンスター。お前何を。シリカちゃん、俺がもっと AR の戦闘に慣れていれば。嘘、なんで。俺はどうすればいい。どうすれば。ソードアートオンラインオーディナルスケール。De vitesse, hein. Bon, on va le faire quand même. Allez. Au taquet, vous êtes là? Et ils ont déjà plus la forme qu'hier. Hein. Hier, en démarrage, ils étaient beaucoup plus mous. Hein. C'était au taquet, vous êtes là? Oh. Mais vite, t'es trop chiant. Comment ça, ouais? Méfiez-vous, j'ai le pouvoir du jury. Du jury, du staff. Je peux en prendre n'importe lequel d'entre vous et le faire monter sans raison, gratuit, juste pour faire chier. Ouais, il y a déjà des clients genre, moi, je vais faire le bordel pour monter. Bah déjà, j'en connais deux, là. Voilà. C'est les mêmes depuis hier, c'est le duo des trolls, ils sont devant, et ils attendent qu'une chose, c'est genre, allez, dis un truc qu'on rebondisse dessus, allez. Bon, à part ça, vous êtes contents d'être là? Vous avez envie de voir du cosplay? Ça tombe bien, on va vous en montrer. Mais seulement si vous êtes sage. Ah, c'est vrai. Il va falloir aimer Pacou pour ça. Hein. Bah, je leur dis pas, va falloir m'aimer parce qu'ils vont me dire non, même pas en rêve. Donc. Je suis touché. Ah, en plein cœur. Je t'ai touché. Va mourir. Oui, j'ai été méchant. Mais je suis méchant. Tout à fait. Alors, on va commencer à vous présenter les membres du jury. Oui, c'est important. Donc, la première, vous la connaissez déjà pour ceux qui étaient là hier. Est-ce qu'il y en a qui étaient là hier? Si on vous dit Russie. Eh, ils ont bien retenu. Elle nous vient tout droit de Moscou. Elle est cosplayeuse professionnelle depuis 2011. Elle réalise des costumes pour des commandes. Elle est danseuse de pole dance dans un bar geek depuis 3 ans en cosplay. Je vous présente Anastasia Salazar. Attendez, un applaudissement. Je me sens tellement petit. Tu es petit. Elle se pose sur moi. Je vais continuer à vous présenter les jurys. Donc, on va accueillir un duo de cosplayeuses. Elles font du cosplay depuis 2013. Elles sont pas loin de chez nous. Pas loin de chez nous, en plus. Elles sont pas loin de chez nous.
Et leur truc, en fait, c'est plutôt le roleplay. Elles réalisent des vidéos cosplay. On accueille bien fort Jazz et Zephy. C'est connu, hein. Et pour terminer, on accueille une photographe professionnelle, maquilleuse et fixe. Elle fait partie aussi également de l'association Lorraine Fur. Et elle réalise des conventions depuis 7 ans en tant que photographe. C'est Zoé du studio Tamago. On a les Dalton presque. Attends, inversez-vous. Tu veux faire les Dalton? Voilà. On a les Dalton. Ils sont trop chou. Bon, Avril, enfin, notre Avril est beaucoup plus intelligente hein, quand même. Hein. On vous laisse vous installer? Vous pourriez aussi, il n'y a pas photo. Tant que notre jeu... Ah, et l'accessoiriste. Et il aura toujours et à vie un succès fou, quoi. Même dans les commentaires avant la convention, il y avait marqué « Vivement qu'on voit l'accessoiriste ». Tout le monde genre « Accessoiriste !» Ouais, voilà, c'est notre merci. Je le mettrai après. Vous voyez même pas l'accessoiriste, en fait, il est caché. Il n'existe pas. Il est là dans l'ombre, c'est un ninja. En fait, c'est les accessoiristes, c'est les ninjas de la scène, tu sais. Ils sont jamais là, mais ils posent tout. Parce que notre jury a tout ce qu'il lui faut. Est-ce que vous avez la liste? Je me fais chasser, c'est rien, dégage. Fais le bordel sur la scène, mais laisse-moi tranquille. T'es tentant, hein? Sinon, il y a notre technique, hein? Non? Le premier ou le deuxième, au choix? J'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. Il a fait quoi? Il balance. J'ai rien fait. Et en plus, elle marche sur les pieds. Bref. Bon, est-ce que vous êtes prêts à accueillir le premier participant? C'est tout? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir? Ah, ben voilà. Alors? Il y a du mal, hein. Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Je crois que c'est le manga où tout le monde a commencé avec ça. Ah, bah non, pas tout le monde. Presque. Mais non. C'est avec un petit blondinet. Qui dit des trucs qui n'existent pas. Date Bayo, ça sort d'où, ça? Mais c'est pas lui. C'est le héros d'Arc Ténébreux que tout le monde est là, genre... Oh. Voilà, ah, on a un Sasuke... Et son mentor, Orochimaru. Donc applaudissez bien fort, Sasuke et Orochimaru de Naruto. Moi, je veux te tuer. Look!
On applaudit encore bien fort. Profitez-en pour les photos. On les applaudit encore une fois. Oh, le prochain. Bon, ça commence bien ? Ils sont légers à chaque fois. Faire lancer. Les... Ouais. Encore une fois. Montre... Alors, à droite, ça assume. Alors, à gauche, zéro. Hein. On fait un concours ? On réessaye ? À gauche ? À droite ? Il y a plus de volume à droite, malgré tout. Hein. Là, oui. Je crois que... Oui. Les deux en même temps ? Les deux en même temps ? Ouais, ça vient à droite, quand même. Hein. Je crois que c'est droite qui a gagné aujourd'hui. Hein. Alors, le deuxième est un solo. C'est un des derniers Disney qui est sorti. Shakira, Disney. Non, pas Moana. Plaf. Hein ? Et qui ? Qui dans Zootopie ? Mais qui est-ce que ça pourrait être ? Judy ? Non. Si je vous dis Shakira. Ah, ils savent. Hein. C'est bien, ils connaissent. Il y en a qui connaissent, ouais, c'est bien. Alors on vous demande d'applaudir bien fort. Gazelle de Zootopie. Bienvenue à votre première leçon de belly dance. Je suis Gazelle, je vais vous montrer des mouvements, puis ce sera à vous de jouer. D'abord, le cercle de hanche. Côté, arrière, côté, avant. Côté, arrière, côté, avant. Ça fait un cercle. On peut aussi le faire vers l'autre côté, comme ceci. Côté, arrière, côté, avant. Ensuite, le rebondissement de hanche. On prend appui sur la jambe arrière, la jambe avant sur la pointe des pieds et on tire la hanche vers la poitrine. Et on relâche. Haut, bas, haut, bas. On peut aussi le faire de l'autre côté. Haut, bas, haut, bas. Passons maintenant au 8 horizontal. On twiste le bassin, on pousse sur le côté, arrière et on revient. De l'autre côté, twist, côté, arrière, on revient. Et on fait un 8 horizontal. Voici maintenant le chimie égyptien. Il se fait en pliant les genoux tour à tour. Attention, on ne triche pas en secouant la graisse de ses fesses. On plie bien les genoux pour faire le chimie. On plie, on plie, on plie de plus en plus. Oh baby, when you talk like that. Vous avez bien compris? Alors allez-y. Allez-y, je vous regarde. Allez, profitez-en, hein. Faites plein de photos. On l'applaudit encore bien fort. Bon, vous aimez les Disney ? Perso, je suis un énorme fan de celui-là. Celui qui va arriver. Je vais faire comme si j'avais pas entendu. Non, grand, mais c'est de la triche, là. Fort, il a des belles dents. Il est... Si, si, il a des belles dents, Hercule. Ça, c'est le héros, mais c'est pas lui qu'on va acclamer aujourd'hui. C'est celle qui met le feu, celle qui swing, les muses. Mais attendez, badass. Mais s'il n'y a pas assez de bruit, elles ne montreront pas. Ouais, elles ne montreront pas s'il n'y a pas assez de bruit. Allez, on les applaudit encore bien fort, hein. Les muses de Hercule. Lucas !
Allez-y, les filles. Nous sommes les cinq muses, déesses des arts et proclamatrices de héros. Que dans le vent, allégresse en grâce, on chante qui est le plus grand. Satan pro, l'Apollo des shows, un monstre sacré qui met tous les monstres KO. Il met des personnes à zéro, zéro. Il tire le banco, c'est un héros. Lui le marmot qui ne dit ses mots. Il a zéro héros, il a changé de peau. Zéro héros, il y court. On fait des ans pour les photos, hein. Attendez, je passe. Et perso, j'ai eu des frissons devant. Je suis passé. Ah balance, hein. Il y a du niveau, hein, on attaque fort là. Les accessoiristes. Avec Taco-san. Allez, c'est un chapeau, c'est le chapeau du charisme. C'est Taco-san. Taco-sensei même. Ça commence fort, non? Vous en voulez encore? C'est que le début, hein. À la fin. Donc la prochaine participation est un groupe. Oui. C'est un jeu vidéo. Ah ouais. Attends, bien que je te suis là. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Il sait pas parler? Non. Vous dites rien? Il a bien les pots en terre. C'est un délinquant. Alors là, c'est tout ce que je voulais dire. Il casse tout ce qu'il trouve. Et à côté. Non, oui, elle est là aussi. Il parle pas non. Remarque, il parle. Ah si, il parle un peu, Mario. Hein. Il dit. Ouais, puis il fait Mamma mia. Je le fais bien, hein. Non, là, ouais, c'est l'homme qui parle pas. C'est Link, Princesse Zelda et Princesse Hilda. Donc on a pour les Julien Fort, The Legend of Zelda, The A Link Between Worlds.
Elle pique le travail des accessoiristes. Et tu vas te faire engueuler, hein. Repose, vite, vite. Ah, on lui a trouvé un nom. Ça sera Okami-sama. Vu qu'il a le loup, hein, ça colle. Et l'autre, ça sera Taco-sensei, quand vous les voyez. Alors, le prochain. Le prochain, je pense que pour beaucoup, mais quand je dis beaucoup, vraiment beaucoup d'entre vous l'ont lu. Que ce soit à l'école ou à côté. Je sais pas. Mais il trouve tout seul. Il y a quoi dedans, dans ce livre? Une rose rouge, un renard. Il y a une boîte. Dessine-moi un mouton. C'est vrai. Bah, je crois qu'ils ont tous trouvé. Hein. Ils ont tous trouvé. Je pense qu'on sert à rien, en fait. Ouais, en fait, on va juste dire suivant, puis tout le monde va faire salut, salut. En fait, on sert à plus rien. On va vous passer le micro. Le prochain, c'est qui? Oh, même pas besoin de micro, en fait. Hein. Donc, je vous demande d'accueillir très chaleureusement et bien fort le Petit Prince. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. J'en profite. Hein. Non, je vais venir. Hein. Assis-toi, crac. Voilà, il est là. Alors, le prochain. Oui. D'accord. Je crois que t'as ton fan club. Et en plus, elle boutichait, quoi. Qu'est-ce qu'elle ferait pas pour se faire mousser, hein? Vous êtes-vous déjà demandé où... Laissez-moi finir. Parce que vous, c'est vrai que tout le monde ici, enfin, beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo. Il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo un peu là. Vous êtes mort combien de fois dans vos jeux? Ouais, c'est ça. Mais à chaque fois, vous mourrez, vous relancez une partie, vous mourrez, vous relancez une partie. Mais vous n'êtes jamais demandé ce qu'ils faisaient entre-temps. Donc... on va peut-être le savoir. Accueillez bien fort un crossover de jeux vidéo avec Albert Wesker, le commandant Shepard et un fantôme assassin. Plus fort ! Ah, un nouveau. Hey, salut. Bonjour. Où sommes-nous? Ah, les débutants. Eh ben, je suis navré de te l'apprendre comme ça, mais tu es morte. Morte? Impossible. Il faut à tout prix que j'arrête ces pourritures de moissonneurs.
que je ramène la paix dans la galaxie, que je sauve oui, la... Oui, tu vas y retourner, détends-toi. Un petit massage, un chocolat. Tiens, prends ton ticket déjà. Vous avez reçu le numéro 37. Merci d'attendre votre rappel. 37 ? Oh, ça va. Tu vas pas attendre trop longtemps. Bien. Et vous ? Vous avez quel numéro ? 9842. Mais ce n'est pas une surprise. Resident Evil 5 a un peu fait un bide, donc je ne suis pas rappelé souvent. Allez, assieds-toi. Tu me donnes mal au cœur. You die. Encore ? Et la revoilà. Oui, c'est une habituée. Mais quel noob ce joueur ! J'en peux plus ! J'en peux plus ! Vous avez reçu le numéro 2. Merci d'attendre votre rappel. Bon ! Combien de temps avant de rip-hop ? 10 secondes ! Pff, même pas le temps pour un café. Vous faites quoi ? Numéro 2. Merci de vous présenter pour retour en jeu. Bon, et ben, bon courage les loulous. A plus. You died. Mais c'est pas vrai! Vous avez reçu le numéro 2. Merci d'attendre votre rappel. C'est pas une fille, ça. C'est pas une nuit. Oui, plains-toi. Au moins, pour toi, il y a de l'action. Moi, ça fait 4 ans que je suis bloqué là. 4 ans ! Numéro 2. Merci de vous présenter pour retour en jeu. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Bon, j'en ai marre d'attendre. Allez, donne-moi ton ticket, ça me fera un échauffement. Ah, c'est beau, l'espoir de la jeunesse. Bon, je vais me faire un café. C'est parti ! Bon bah salut hein, have fun. Numéro 9842. Merci de vous présenter pour retour en jeu. Fausse alerte, la partie vient d'être effacée. Et même derrière, ils applaudissent plus que vous devant, hein. Je reste caché. Ça vous plaît ? Vous avez intérêt à profiter parce qu'on est... Ah, et Taco Sensei, Yo Kami-sama. Ah, il l'a enlevé. Vous êtes trahi. Vous en voulez ? On profite, hein. On est déjà à la moitié. Mais bon, c'est quand même bon. Il en reste encore. Ouais. Quand même. Elle va être seule à crier ? Ouais. C'est déjà mieux. Mieux, c'est mieux. Accessoiriste. Une surprise. Comme ça, vous devinez. Alors, on est encore parti dans du Disney. Mais quel film ça pourrait être ? On a 3 personnages. Et elles sont tellement sexy. Elles ont le pelage soyeux. Elles chantent tellement bien. Elles chantent très très bien. Vous êtes prêts ? Attends, tu t'as dit quoi ? Je vous entends plus, il a chanté tellement... J'ai mal à l'oreille, j'aimerais bien vous entendre un peu plus. Allez, accueillez-les bien fort, le trio Cendrillon, Anastasia et Javotte. Anastasie. Anastasie, désolé. La la belle.
porte. C'est ferme. C'est une bonne idée, cette petite note de couleur. Qu'est-ce que tu en dis, Javotte? C'est ridicule, quelle horreur! Cette voleuse, ce sont mes perles! Rends-les-moi tout de suite! Oh non! Oh, regardez! C'est ma ceinture, elle m'a volé ma ceinture! Oh, ma chambre! Non, non, je vous en prie! J'ai permis de toucher à mes talons! Allons, allons, mes tourterelles. Calmez-vous, cela suffit. Nous allons nous mettre en retard. Et vous aurez le teint brouillé si vous vous énervez. Salagadou, la menchikabou, la bibidi bobidi bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi bobidi bou. Merci beaucoup. Et je vous avais pas menti quand je disais qu'elle était sexy, hein. J'ai toujours trouvé que la barbe, ça donnait du charme. Ça vous a plu ? Il est resté caché, le taco. Restez là. Shame on you. Chante, Rassignol, chante. Chante, Rassignol, chante. Ah, la nuit. Ça aurait été triste de ne pas vous en faire profiter une dernière fois. Moi, je sais plus quoi dire, là. Bon, le prochain, vous connaissez tous. Moi, j'arrête là. Stop. J'arrête. Voilà, Pokémon, Pikachu. Ça gueule comme ça. Red. Red. Pokémon, et voici, si tu veux, Satoshi aussi, non ? Je vous demande, d'accueillir bien fort Red de Pokémon. Franchement, la convention Otakest, c'est stylé, hein ? Il y a plein de Pokémon rares pour Pokémon Go. D'ailleurs, il y a un Draco. Franchement, la convention Otakest, c'est stylé, hein. Il y a plein de Pokémon rares pour Pokémon Go. D'ailleurs, il y a un Dracolos sur la scène cosplay. Ouais, 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 faut que je me grouille. Oh non, je l'ai encore loupé, je le crois pas. Bon, bah maintenant que je suis là, hein. Ah, Pokémon Go, le phénomène. Vous aimez ça, vous, hein, Pokémon Go. Mais de mon temps, c'est pas avec ça qu'on capturait des Pokémon. Non, mais avec ça, des vrais Pokéballs que t'achetais avec ton argent. Argent que tu chourais à des pauvres gamins après les avoir humiliés. Exemple. Vous venez de mettre une raclée à Dresseur Scout. Vous pouvez le racketter de 500 Poké-dollars. Il avait pas qu'à vous chercher ce mioche. Ah, c'était le bon vieux temps. Puis un jour, je suis devenu le meilleur. J'en avais marre de toute cette violence entre Pokémon. Alors je disais à mes challengers, « Ok les gars, maintenant on va se battre de manière pacifique. On va régler ça par la danse !»
Bon, après avoir vu ça, j'en connais pas beaucoup qui vont défier le dresseur. Hein. Moi, je le laisse champion, ça me va très bien. Hein. On va avoir besoin d'accessoires, si vous voulez des sous. Vous avez rien vu. Tiens, je te paye. Tiens. Eh, hey, tiens. Arrose-moi de billets. Non, c'est 50 poké-dollars. Ça serait 50 euros, vous diriez pas non. Hein. On continue sur du jeu vidéo. Ouais, du jeu vidéo. Non plus. C'est plus loin de chez nous. Très haut dans le ciel. Ah, Mass Effect. Ça vient de Mass Effect. En qui ça peut être de Mass Effect? Non, ça aurait pu être cool. Mais il y a mieux. Le seul, l'unique. Le commandant Shepard. Ok, attendez un applaudissement pour le commandant Shepard de Mass Effect. Arrive. Appelez-le. On se déploie. Garry, va là-bas. Ma gueule, je sais pas, c'est en plein milieu de la fusillade. Va là. Putain, Brutti. Tremblez, race organique, devant nous les moissonneurs. Nous allons vous détruire avec notre armée, les récolteurs. Oh putain, parce que le jeu en anglais, merde. J'ai comme l'impression qu'on s'en sortait mieux que ça avant. Je me trompe ou pas? Je dois y aller. Je pars comme ça, moi. Ce n'est que mon avis, mais... Ouais. On devrait peut-être s'inquiéter du coffre impénétrable dans lequel nous avons été enfermés. Pourquoi vous ne l'avez jamais dit? Je suis ouvert aux critiques, vous savez. C'est que... je pensais que tous les humains disaient ça. Une sorte d'expression terrienne. En plus, je doute qu'il y ait assez d'air ici. Une heure, tout au plus. Peut-être... je dois y aller. Je dois y aller. Je dois y aller. Shepard, il serait peut-être temps de s'inquiéter. Hein? Oh, Cliff, t'es toujours là? Oui, commandant. Ouvre-moi ce truc et va chercher les autres. Personne ne volera mon vaisseau, même pas moi. Je dois y aller. Encore, hein? Mais franchement, classieux. Hein. Vous aimez ça? Oui. Vous en voulez encore? Oui. Sûr? Oui. On continue alors. On continue. On a encore alors un solo d'encore un jeu vidéo, mais qu'est-ce que ça pourrait être maintenant? Je vous aide. Fusroda! Hey. Ça vous parle, hein, ça hein? En même temps, on en bouffe. Ils le ressortent 15 000 fois, le jeu. Hein. Mais bon, on aime toujours ça. C'est tout? Non, moi, j'entends que ce côté-là. Ouais, il n'y a qu'à droite. Alors, à gauche, ils sont en mode dodo. Tout à l'heure, on a fait droite, on a fait gauche, on n'a pas fait extérieur. Hey, l'extérieur? Tous ceux qui sont là-bas. Tous ceux... Alors, lui, quoi? Nous? Non?
Un peu de bruit à l'extérieur ? Ah ouais, ils sont quand même là, mine de rien. Ça va. Alors, le prochain personnage, c'est Lydia de Skyrim. T'es encore là ? Le prochain solo vient d'un animé de danse. Non. Si... Un truc, c'est un phénomène au Japon. Je crois on parle d'idol. Non, si c'est pas Pipi et Pi. Si je vous dis Nico Nico Ni. Elle y sera peut-être. On accueille bien fort Nico Yazawa de Love Live. Salut, c'est moi, Nico Yazawa. La plupart d'entre vous sont tristes parce que notre long voyage s'arrête ici. Et je comprends pourquoi. Tous ces moments que nous avons passés ensemble. Nous avons partagé notre amour et nos vies. Nous avons rigolé et nous avons pleuré. Nous avons beaucoup appris. Et maintenant, regardez-nous jusqu'où nous sommes arrivés. Et tout ça, c'est grâce à vous. Vous nous avez aidés à traverser nos moments difficiles car vous avez été avec nous. Vous avez fait de notre rêve une réalité. Alors s'il vous plaît, ne soyez pas triste. Et n'oubliez jamais, peu importe ce qui vous arrive, ne revenez pas vers votre passé. Ce n'est pas la fin. Un voyage n'attend que vous pour commencer. Alors merci. Merci d'avoir rendu notre rêve réel. Oh, j'ai presque failli oublier. Ne perdez jamais espoir. Maintenant, place à la musique. I come from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam. Where they cut off your ear if they don't like your face. It's barbaric, but hey, it's home. When the wind's from the east, and the sun's from the west, and the sand in the glass is right. Come on down, stop on by, hop a carpet and fly to another Arabian night.
matin. Ça vous plaît? On vous a plu? On a demandé au public, mais on n'a même pas demandé l'avis du jury. Oui, c'est vrai, le jury. C'est vrai, c'est bien bon, on vous fait crier, mais le jury. Ça se passe bien pour vous? Vous aimez ça? Un mot à dire? Comment ils font, les timides, le jury? C'est en mode, non, nous, ça va, on veut juste faire nos notes. Ah! C'est bien, t'as retenu. Bon, c'est un peu triste. Ce n'est pas ce que tu dis. Il n'en reste que deux. Ako-sensei. En fait, ils t'ont appelé Okami-sama. Faut que tu remettes ton chapeau. Et est-ce qu'il doit remettre son chapeau? Est-ce qu'il va rechercher son chapeau? Dépêche-toi, vilain. La prochaine participation est un solo. Ok. Ça, je crois que ça va être nos mascottes, les accessoiristes, Okami-sama et Tako-sensei, quoi. Il y a tout. À le prochain, je crois que le succès, il est pas prêt de partir pour ce manga et animé. Ça fait, je pense, bien facilement plus de 2 ans que c'est tout le temps, tout le monde est en mode « Ah !» Si je vous dis style victorien. Dans l'histoire, il y a un majordome. Il pète la classe, en plus. Ouais, même plus de 2 ans, mais ça démord jamais, hein, ça s'arrête jamais. Alors lequel? Mais lequel des deux? Je crois qu'on a une fangirl. Ciel! Donc je pense qu'on peut l'annoncer. Ciel. Allez, c'est la suite? De Kuroshi Tsuji. Ciel Fantomive. Les photos. Ah bon. T'as soif? On revient un peu? Bon, y a pas, c'est juste une tête de mort, c'est pas grave. Oui, on se demande, c'est tout. Et des cordes, une table. C'est pas très sain tout ça. Je veux pas savoir ce qu'on fait avec. Ouais, mais il y a des enfants, hein, tu sais. C'est pour jouer à la corde à sauter. Pour les petits, n'inquiétez pas. Pour les grands, vous faites pas de dessin. La force de l'accessoiriste. Salut Hercule, en fait, tout à l'heure on a eu ses muses. C'est trop populaire, c'est foutu, à vie. Allez, attendez un applaudissement pour Okami-sama. Oh, j'ai encore été lâchement abandonné. Ouais. Non, mais elle est en train de s'équiper pour pouvoir s'envoler. Need healing. Hey, elle va quand même venir, on va attendre un peu. Appelez-la, hein.
Baku, Baku. Là, elle est en train de charger son ultime, là. Devant, ça appelle, hein. I need healing. Faut lui faire du mada mada. Take. Je crois qu'elle va arriver bientôt, j'espère. Ou c'est perdu. Elle est partie dans le mauvais camp, tu sais. C'est de l'autre côté, le combat, c'est pas derrière. Guetté, si je l'aime. Ah! Attends, je vais l'aider. Attention, attention, attention! Voilà. Eh, ça a de la gueule quand même! Need healing! Hero never die! On va la faire dans cette langue, c'est mieux. Bah, malheureusement. On approche de la fin? Ouais. Eh ouais. Il nous en reste un. Un seul. Et unique. Pour la police, ça vient. Il y a une petite surprise après. Ouais, après, ça sera du surprise. Mais pour le concours, on n'en a plus qu'un. Il y a déjà quelqu'un qui est au courant. Entendu? Ouais, j'ai entendu. T'sais, on a eu le dresseur tout à l'heure. Mais celui-là, il n'a pas encore réussi à l'attraper. Ouais. Ouais, je l'ai entendu. Une des multiples évolutions d'Evoli. De toute façon, chaque génération, il en a deux de plus. Donc je vous demande d'acclamer bien fort Nymphalie de Pokémon. Oh, l'accessoire, ça a failli mourir. Tout le monde le sait, le monde des Pokémon peut paraître très compliqué et parfois fortement injuste. L'injustice est simple. Beaucoup de dresseurs ne veulent pas prendre soin de leurs petits protégés qui combattent pour eux jusqu'à l'épuisement le plus profond. Mais cette injustice n'est pas non plus présente dans le cœur de chacun. Comme beaucoup de dresseurs depuis le commencement, vous-même, vous avez certainement été tenté d'obtenir une forme dévoulée dans votre équipe. N'ai-je pas raison ? Puisque le spécimen que vous avez aujourd'hui devant vos yeux est la preuve par 8 qu'il faille parfois s'amuser et s'occuper de ces petites créatures. Certains auront besoin de plus d'amour, tandis que d'autres auront besoin qu'on s'occupe simplement d'eux. Nymphalie, de cette manière, sera parfaitement capable de vous rendre son amour au centuple et apportera autour d'elle la bonté de l'amour. Car de l'amour, il en faut toujours dans les contes de fées pour terrasser les terribles Pokémon de type dragon. D'ailleurs, Daenerys n'a qu'à bien se tenir. Et puis après, qui pourrait résister à l'une des plus puissantes attaques du monde, qu'est le Moe Moe Kyu ? On l'applaudit encore une bonne fois. Pour info, c'est sa première scène. Alors, le concours est terminé, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors, par contre, pour le coup, là, donc, c'est hors jury. Voilà, c'est pas dans le concours. C'est un membre de notre staff qui a fait un costume qui a pris pas mal de temps, qui est vraiment bien travaillé. C'est une créa perso. Une créa perso inspirée d'un univers où je pense que vous allez voir tout de suite de quoi ça parle. Et ça aurait été triste de ne pas la voir sur scène et de pouvoir profiter de son costume. Si je vous dis Moon Police Power. Et pour ceux qui sont adeptes de la VF, c'est au nom de la lune, je vais vous punir.
Génération Club d'eau, voilà. Hein. Si y en a des générations Club d'eau, je vais les entendre. Je suis sûr que là-bas aussi, mais ils sont tous timides. Il y a des générations Club d'eau là-bas ? Ouais. Forever. Alors je vous demande d'accueillir très chaleureusement le membre de notre staff, Gabi Michigo, pour les intimes. Sur scène. Et ça a de la gueule quand même, hein, franchement. On aurait bien voulu la faire participer au concours, mais étant membre du staff, ça aurait fait désordre. Franchement, elle mérite. Ça va, vous validez ? Eh bien, alors si vous avez envie de la revoir, hein, parce que je pense que tu vas rester comme ça, hein, elle sera sur le stand là-bas. Elle a un petit stand, Michigo. Hein, c'est comment le nom du stand ? C'est le cabinet des mirages. Alors mon stand, c'est le cabinet des mirages. Et on avait plusieurs amis et moi je m'appelle Michigo et on propose plein de trucs comme des baguettes d'Harry Potter et des illustrations et tout et tout. Voilà. C'est l'instant promo. On l'applaudit encore bien fort. Et profitez-en pour faire des photos. Elle ne sauve pas. Mais attendez, des photos. Attendez, on va demander à tous les cosplayers de remonter voilà, sur scène. Voilà, on va faire venir tous les cosplayers sur scène. Du coup, tu ne te sauves pas, hein, t'en fais partie. Hein. Même si t'es hors concours. Allez, on les accueille tous bien Allez, fort. Allez, on applaudit bien fort. Allez, plus fort, plus de bruit. Je vous entends pas. Plus fort. Ça vous a plu ? Continuez à faire le show, hein. Oh, ouais, on a des déclarations. Regardez la jalouse derrière. Et Red, il va peut-être te faire un bisou. Encore bravo à tous! Encore merci! On applaudit encore bien fort tous les participants! Plus de bruit!
Il y a les accessoires qui sont cachés derrière. Les accessoires, venez devant. Venez devant, allez. Ah, les gens de l'eau. Les accessoires. Allez, faut les féliciter. Merci hein. Sans eux, il y aurait plein de choses merci qui se passeraient pas. Merci à ceux qui sont cachés derrière là-haut. Aux gens de la régie, merci. Ah, il faut aussi féliciter la régie hein, derrière. Parce que sans eux, rien. Ils ont pas merdé, c'est vrai. Eh, ça prouve, c'est une régie de qualité. Ben, merci à tous d'avoir assisté à ce concours. On va laisser le jury délibérer tranquillement. Dans quelques petites minutes, nous pourrons retrouver Sachiko Hopwood pour un concert de Koto. Et pour les gamers, il y a le concours Rock Band 4 en guitare solo qui aura lieu de 15h à 17h et il manque plus que 6 personnes, donc profitez-en. Voilà. C'est moi qui rendrai... Putain, c'est vrai que ça tient chaud cette merde. Donc il manque 6 personnes, donc les gamers, les acharnés de la gratte, ça se passe là-bas, au coin jeux vidéo.